Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est MarioRo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 48 de Final Fantasy VII sur PlayStation 1. Donc, nous allons charger notre fichier et nous sommes repartis. Donc, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je continuais à faire la fameuse technique pour améliorer nos statistiques en off. Et donc, vous voyez, là, je suis pas au même endroit que lorsque j'ai sauvegardé la dernière fois lors de la vidéo. Là, je suis retourné près de Junon. Et donc, vous allez déjà voir un peu au niveau des stats ce que j'ai amélioré. Pour l'instant, j'ai amélioré que la force et la vitalité. Pour l'instant. Et la suite pour aller améliorer une stat se situe sous l'eau. Plus particulièrement dans un avion qui a coulé, voilà. Donc on va s'y rendre, mais on va pas, on va pas faire mumuse avec l'arme émeraude pour l'instant. On va juste se rendre à l'endroit où l'avion a coulé. Et vous allez voir que cette zone sera très dangereuse. Notamment parce qu'il y a des monstres qui tapent assez fort. Voilà. On y est. C'est parti. Voici l'avion type Galnica de Shinra. Je me demande pourquoi il s'est posé ici. Alors, on a un point d'enregistrement si on le souhaite. Je reçois Nuage de Paradis. Alors, je sais pas trop ce que c'est ça. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Nuage de Paradis. Dites-moi, dites-moi. Ok, c'est une arme pour Cloud. Voyons voir qu'est-ce que ça donne par rapport à la super épée. Ok, ça booste fortement mon attaque, mais tous les orifices sont non liés. Ouais, pas terrible. Ok, bon bah on va visiter. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça doit être une sorte d'établissement de recherche parce qu'il y a un générateur Mako. Alors on va récupérer le contenu des coffres, on obtient garde d'escorte. Ça c'est cool. Ensuite, on va aller ici récupérer la materia attaque double. Donc c'est une excellente materia. Ouais, on va arranger plutôt ça. On va le mettre hop, comme ça. Allez, c'est parti pour un combat. Et vous allez voir, les combats seront très 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 chauds. Parce que les ennemis tapent fort. Alors, souffle anormal, je m'inquiète pas. J'ai un ruban qui me protège de tous les états anormaux. Il aura beau faire sa petite attaque, bon, épingle, ouais, tentacule, ouf. Vous voyez, hein, j'avais pas menti, leurs attaques sont assez fortes. Oh, materia tout qui augmente, ça c'est bien. Ah, je pensais qu'il y avait quelque chose à récupérer, mais non. Alors, on va faire le tour par ici. Et on reçoit Mégalixir. Sympa. Ok, continuons notre petite visite. On va peut-être limite se soigner. Alors, magie, guéri 2. Hop. Un petit guéri sur tout le monde. Et voilà. Nickel.
On peut continuer notre visite par ici. Bonjour. Non, il n'y a personne. Continuons. Ce doit être la salle des marchandises. Alors, on reçoit un nouveau méga élixir. Allez, encore un vilain pas beau. 1407 pour un coup de langue. Explosion. Ça sent mauvais, ça. Oh non, ça va. 1300, c'est pas beaucoup. Je m'attendais à ce qu'ils s'autodétruisent et qu'ils me one-shot en fait. Eh ben non. Allez, hop, on reguérit tout le monde. Et on continue notre visite. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là-bas? Ouais, il y a un coffre. Lance spirituelle, ça doit être une arme pour Sid. J'en suis convaincu. Ouh, une autre grosse bébête. Souffle de vipère. Ça va, c'est pas très fort. Joli coup critique. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai la matéria double attaque. On pourrait la remplacer par quoi? Comète tout. Ah, c'est vrai que ma matéria terre est en mètre maintenant. Donc c'est vrai que j'ai plus besoin de l'équiper et que je pourrais mettre autre chose à la place. Feu aussi. Ouais, mais ça c'est pour l'armure, c'est pas pour l'arme. Donc bah vous savez quoi? On va enlever. On va enlever ça pour mettre à la place donc attaque double, voilà. Et la matéria tout ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de matéria tout? On laisse? Ouais, on laisse. Dès qu'elle sera au niveau maître, on la remplacera. Voilà, c'est cool. Pop-pop-pom. Ouais, j'étais en mode freeze, mais ouais, je voulais en fait guérir Claude. Voilà. 5042 de vie. Ça va, c'est cool. Allez, on va voir. Ici, c'est terrible, tout est en désordre. Bah oui. Tu m'étonnes. Alors là, on a Materia Hadès, le dieu des enfers. Intéressant. Au vent. Au vent, c'est donc la dernière limite de Mr. Seed. Et Outsider, ça je sais pas. Faudra que j'aille voir. Ok, on retrouve notre ami le vilain pas beau. Version plante végétale. On sait qu'il se passera rien. Et voilà, attaque double, c'est efficace. Super MP niveau plus 1, ça c'est cool. Claude et Vincent ont gagné tous les deux un niveau en plus. Oui, c'est vrai qu'on XP pas mal et on gagne pas mal de sous également dans cette zone. Faut le savoir. Donc c'est une très bonne zone pour pouvoir XP en fait. Alors je vais juste rester dans cette pièce un moment parce que les ennemis ici
on va pouvoir également les dupliquer pour obtenir des sources. Alors, Tifa, tu vas déjà attaquer ça. Alors, tu vas me transformer lui. Non, ça va pas. Du coup, on va faire ça. Voilà. On va attendre un petit peu. C'est pas grave si on se prend des dégâts. Alors, on va transformer de nouveau. Ah ouais, j'ai perdu la grenade. C'est spécial, ça. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va finir le combat vite fait, alors. Hein. Je crois qu'il voulait dire poison maléfique au lieu de potion. Ça veut rien dire. En fait, pour vous dire, les deux ennemis ici dans la qu'on a vu dans le combat, ils donnent tous les deux chacun une source différente. Celui qui était à gauche, il donne des sources de rapidité et les espèces de poulpes là, verts, eux, ils vont donner des sources de chance. Donc voilà. On a fait le tour, hein, donc ce que je propose... Bon déjà, on va arranger nous-mêmes l'ordre. On va mettre le tambour terrien ici, comme ça. Voilà. Ok. Du coup, ce que je pensais faire, oui, c'est peut-être retourner juste pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises. Évidemment, ça a foiré, hein, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Ok, on retrouve nos amis ici. Donc, tu vas te transformer ici. Alors, tu vas pas nous faire ta limite pour l'instant, cocotte. Allez, continue à transformer. Ok. Ouais, le dégât, c'est ridicule, hein. Alors, transformer ici. Non, il est toujours pas mort, c'est pas grave. Feu, ouais. Voilà, ça c'est cool. On va juste attendre que Claude ait sa barre de temps. C'est bon. Alors, on va transformer. On s'apprête. Et voilà, c'est parti. On peut dupliquer notre source de rapidité. Ça, ce sera cool. Ah, ça fait plaisir de revoir cette technique, n'est-ce pas, les amis? Vous inquiétez pas, je le fais qu'une fois et puis le reste je ferai en off, hein, parce que bon, on n'est pas là pour voir ça tout le temps, ça je peux comprendre. Mais au moins c'est cool à voir, ou à revoir. Ouais, on s'amuse. Enfin voilà, l'avion Galnica, c'est la zone la plus dangereuse qui soit. Mais aussi, c'est une bonne zone pour XP, évidemment. Allez, hop. Voilà. Alors, bah oui, on va utiliser nos sources, effectivement. Donc... Allez, on va doper notre ami Claude de source de rapidité. On utilise tout. Voilà, c'est bon.
Alors, je vais également vous montrer la technique où il n'est pas nécessaire de transformer, mais aussi avec la matéria élément way pour pouvoir dupliquer jusqu'à 99. Donc déjà on va partir de là parce que bon, on a fait le tour. On va pas rester plus longtemps. Alors, on va déjà remonter. Voilà. Alors, nous sommes ici, c'est-à-dire qu'on est près de Costa del Sol, il me semble, si je ne fais pas erreur. Ouais, c'est ça. On voit Costa del Sol un peu plus loin. Est-ce que je peux mettre le sous-marin ici ou non? Parce que je sais qu'il y a une. Non, on peut pas. Même s'il y a un emplacement, on peut pas. Bon, tant pis, on va devoir retourner à Junon. Hop, voilà, merci. Mais on peut changer de vue, on peut se mettre comme ça, si on souhaite, ou alors comme ça. Mais bon, je préfère mieux comme ça, au premier plan. Bon. Donc on va aller rechercher le auvent. Hop, on descend. Voilà, l'arme est toujours là, hein. Coucou. On va pas aller la déranger pour l'instant. Et on va se diriger justement vers Costa del Sol. Pourquoi? Parce que on va aller acheter notre future villa. On retrouve cette magnifique ambiance de vacances. Voilà, donc ça c'est la villa qu'on va s'apprêter à acheter pour, il me semble, 300 000 gil. Donc il faut parler à ce type. Je ne devrais pas te le demander, mais penses-tu vraiment l'acheter? Ouais, pour 300 000 gil. Celebration time. Allez, casse-toi. C'est chez moi. Donc voilà, maintenant nous sommes dans la villa de Claude. Et vous voyez qu'il me reste plus que 24 gil. Mais c'est pas grave. Pour un problème d'argent, c'est pas si grave. Bon, alors on va rentrer dans la chambre. Normalement, quand il y a un lit, on peut se reposer, non? Quoique. Est-ce que j'avais été déjà au sous-sol la dernière fois? Bah oui. Vous voyez qu'il y a toujours ce type-là qui est en train de pioncer. Tranquille dans ma villa, hein, maintenant. C'est ma villa. Un peu de repos dans ta nouvelle villa? Ouais. Ça n'a rien de particulier la villa, c'est juste voilà votre endroit où si vous voulez passer la nuit pour vous remettre full énergie sans devoir payer l'auberge, hein, bah voilà. C'est pratique. Bon, maintenant vous allez me dire, ouais, mec, t'as dépensé 300 000 gil, t'as quasiment plus rien en fric. Il va falloir pas mal de combats pour te refaire, hein. Que nenni, mes potes, que nenni. Vous allez voir que je vais vendre une materia, et pas n'importe laquelle. Et cette materia, elle va me rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, on va vendre materia. Et on va vendre notre materia tout. Elle doit être au niveau maître, hein, c'est obligatoire. Et donc, vous voyez, le prix de la materia en mètres, elle est de 1 400 000 gil. Donc on va la vendre. Puisque j'en ai pas mal. J'en ai d'autres, hein, j'en ai d'autres, voilà. J'en ai une deuxième ici, mais on va la garder. Ça sera nécessaire, je suppose. Et donc vous voyez à chaque fois,
lorsqu'on peut vendre nos materia, on nous dit, bah voilà, le premier prix en fonction de l'AP accumulée pour la materia, et un deuxième prix, c'est uniquement lorsqu'elle atteindra le niveau maître. Donc vous voyez, là, super chance. Ben, si je la vends en fonction de son AP actuel, eh ben, je rapporterai que 10 370 gil. Mais si je la vends lorsqu'elle sera au niveau maître, eh bien, elle me rapportera 1 050 000 gil. Donc voilà, c'est assez sympa si on veut s'amuser à augmenter nos matériaux au niveau maître et puis à les revendre si on n'en a pas l'utilité. Eh ben voilà, c'est comme ça qu'on peut se faire facilement du fric. Donc voilà, maintenant j'ai du pognon sur moi, ça va faire plaisir. On peut partir d'ici, on n'a plus rien à faire à Costa del Sol, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait acheter la villa et vendre de la materia pour avoir une somme colossale. Allez, maintenant, ce que je vais faire, c'est... Qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, ça me revient. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour avoir la dernière limite de cloud. Donc, je vous l'ai expliqué, il faut qu'on aille au Gold Saucer. C'est là qu'on pourra le choper. Et pour ça, il faut que je passe par Corel. Puisque c'est par là qu'on peut accéder au Gold Saucer. Donc, on descend ici. Voilà. On va d'abord faire des petites modifications. Donc on a Bahamut, Odin, Comet, tout, double attaque, tout, ça c'est pas mal. On va peut-être mettre la matière tout, mettre à la place, voilà. Ici, élément Way, invoque Phoenix, ouais, effet tout, gravité, élémentaire de base feu. On va enlever élément Way et on va mettre à la place une matéria talent de l'ennemi. Alors, une bonne matéria talent de l'ennemi, s'il vous plaît. Hein. Souffle magie, marteau magie, force de mort. Ouais, j'avoue. J'avoue qu'avec ça, ça peut aller. Ça pourra aller avec cette matéria-là. Ouais. Allons-y. On va utiliser ça. Et alors, je vais remplacer également. Bah, cette matéria tout, on n'en a pas besoin. On va le mettre contre-attaque à la place. En fait, si j'ai réarrangé les matérias, c'est parce qu'on va devoir faire les fameux combats dans le Battle Square du Gold Saucer. Et lorsqu'on gagnera tous les combats, on gagnera des points. Et donc, il faudra accumuler, il me semble, quasiment 10 000 points, je pense, pour aller acheter la dernière limite de Cloud. Donc là, je vais juste vous montrer comment ça se passe. Mais après, je ferai la suite en off, hein, parce que bon, ce sera trop répétitif sinon. Alors, d'abord, ce qu'il faut faire... Non, je vois pas le type. D'abord, en fait, il faut qu'on échange des gil contre des GP. Donc la monnaie actuelle du Gold Saucer, hein, parce que évidemment pour pouvoir participer au combat, eh ben on va devoir payer un prix d'inscription, hein. Et donc ah voilà, parfait. En fait, j'attendais qu'un type spawn là-bas au fond parce que c'est lui qui va pouvoir nous échanger des gil, enfin des points de GP contre des gil. Donc ouais. Donc on va demander le maximum, qui est donc de 100 points, et donc on lui donne 10 000 gil. Voilà. Voilà, il spawn de temps en temps, donc ça peut toujours être sympa d'aller convertir notre gil en GP, faire un petit trade.
Donc, maintenant qu'on a ça, direction le Battle Square. Ça nous avait manqué, cette ambiance festif. Donc, voyez, hein, donc là, on y est. Il faudra aller ici. Donc là, j'ai actuellement 0 points de combat, c'est normal, hein. Et donc, ce sera à cette machine qu'il faudra échanger nos points. Donc, on va parler à cette dame. Oh, pardon de m'en aller comme ça. Ok, vas-y. Veux-tu t'inscrire pour le combat? Donc, il faut payer 10 GP pour participer. Donc, je dis ok. Alors, le combat, ce sera univoque, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul participant qui peut y aller. Donc, je pourrais pas avoir le groupe entier. C'est pour ça que j'ai mis les matériels intéressants sur Cloud. Donc, on peut faire 8 combats à la chaîne seulement. Et donc, plus on va faire des combats, eh bien, on va être handicapé au fur et à mesure. Excusez-moi. Donc, c'est parti. Ok, il m'a volé des MP ce bâtard. C'est pas grave. Ok, super. Alors, on continue. Hein. Et donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. HP réduit de moitié. Génial. Épingle de folie. Bon, je te fais une contre-attaque dans la gueule. Allez-y, continuez. Épingle de paralysie. C'est sympa la contre-attaque. Allez, on continue. Moitié MP. Génial. Ok, des ennemis volants. Donc là, on va utiliser notre magie. Comet 2. C'est parti. Ah, ils sont résistants, ces petits. Ils résistent plutôt pas mal. Bon, on va employer les grands moyens. Ok, raté. C'est parti pour Meteor Rain, qui est donc la limite 3 de Cloud. C'était mieux de faire ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle roulette. Baisse de 5 niveaux. Ok. Alors, on va faire double attaque. Hein. Épée en trèfle, bon. Ça passe. On continue. Démarrage de la roulette. Perte de temps x 30. D'accord. Bon, là, on va peut-être se soigner là. Nickel. Alors, feu 3. Ah ben non. Autant pour moi. HP MP réduit de moitié, allons-y gaiement!
Alors, ici, on va faire demi-deux sur les deux. Allez. Mille trois cents. Ouais. Raté. Encore raté. Pour l'instant, ça va, on gère. Et on continue. Crapaud. Donc je vais me transformer en crapaud. Mais non. Je ne serai pas transformé parce qu'avec mon ruban, je ne crains rien. Sleeple. Tu veux m'endormir? Ça ne fonctionnera pas. Coup en vol. Qui est raté. Raté encore. Oui, on continue, hein. Encore HP MP réduit de moitié. Génial. Ouh, celui-là, il va être imposant. Donc, on va invoquer Bahamut. Ouf. Ah ouais, il m'a mis un sérieux coup là. Bon, j'ai invoqué Bahamut, après je sais pas si c'était la bonne option. Peut-être j'aurais dû faire double attaque. Ouais, c'est vrai que 3600, c'est pas beaucoup. J'aurais pu faire double attaque et ça aurait été suffisant. Alors, on va faire élément feu Saint-Elmos. Raté. Allez, on se remet full. Mais c'est chaud quand même parce que j'ai pas beaucoup de points de vie. Raté. Ça, c'est bien. Et voilà. J'ai réussi! Alors, combien de points j'ai gagné? 4008 points. C'est cool ça! Lot de consolation reçu mouchoir. Bah pourquoi lot de consolation? J'ai gagné. Bon. On va partir d'ici. On va surtout aller sauvegarder. Donc on doit aller au station. Au station. Voilà. Et on va aller sauvegarder ici. Voilà, ça c'est 5 GP, donc je n'ai pas le choix, je paye. Et donc, nous allons enregistrer. Bah ouais, ça fait plus de 34 minutes qu'on y est. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager si vous le souhaitez. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Mario. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!